J'ai donc deux documents Illustrator créés pour deux matériels différents, un pour le Adobe RGB, l'autre pour le Profoto. J'ai également deux documents Photoshop créés pour deux matériels différents, pour le Adobe RGB et pour le Profoto. Je vais aller voir les réglages des logiciels dans Photoshop édition couleur. Je suis actuellement en Adobe RGB comme espace de travail par défaut, Euroscale comme espace CMJN, mais le CMJN ne va pas entrer en compte ici. Je ne travaille pour l'instant qu'avec des images RVB. Les règles de gestion des couleurs, les automatismes sont désactivés et j'ai choix à l'ouverture qui est coché. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un problème, que j'ouvre une image qui n'est pas prévue pour le matériel qui est spécifié ici dans l'espace de travail par défaut, Photoshop me met un message et me demande est-ce que, à condition bien sûr que l'image que j'ouvre contienne un profil, sinon Photoshop ne sait pas que l'image n'est pas prévue pour autre chose que le matériel qui est réglé comme espace de travail par défaut. Donc si j'ouvre une image qui ne correspond pas à l'espace de travail par défaut, Photoshop mettra un message forcément qui va demander est-ce que je veux ouvrir l'image en tant qu'image pour l'autre matériel? Et à ce moment-là, dans la fenêtre d'image, il y a une simulation de ce matériel. Où est-ce que je la convertis vers l'espace de travail par défaut, dans ce cas-ci Adobe RGB? Où est-ce que je ne tiens pas compte du profil qui est inclus à l'image et je l'ouvre sans tenir compte qu'elle est faite pour un certain matériel? On en a déjà parlé. Donc, mais voilà le petit résumé de la situation. Je vais maintenant dans Illustrator, édition couleur. Dans Illustrator, les mêmes deux espaces de travail, Adobe RGB et Euroscale, les règles de gestion des couleurs désactivées et non-concordance des profils, choix à l'ouverture, même chose. Quand on ouvre un document Illustrator, je ne parle pas d'importer une image dans un document Illustrator, c'est encore autre chose, ça, mais on parle ici d'ouvrir un document Illustrator et que ce document est prévu pour un matériel différent que l'espace de travail par défaut. Il y aura des messages qui vont apparaître. Dans InDesign, édition couleur. Donc je suis dans InDesign, édition couleur. Toujours les mêmes deux espaces de travail. Donc à ce niveau-là, la gestion des couleurs est synchronisée, même si ici on m'indique qu'il y a des synchronisations, mais je vérifie quand même qu'il y a une synchronisation, sauf peut-être sur un point de détail. Mais il y a quand même une synchronisation entre les trois logiciels ici, Photoshop, Illustrator et InDesign. Également, règles de gestion des couleurs désactivées et choix à l'ouverture. Ça veut dire que, attention, là, il faut bien comprendre, quand on ouvre un document InDesign qui est prévu pour un matériel différent de ce qui est indiqué ici, InDesign mettra un message. Ça n'a rien à voir avec le fait d'importer une image dans InDesign avec un certain profil. C'est même remarque que ce que j'ai fait précédemment pour Illustrator, c'est quand on ouvre un document Illustrator qui n'est pas prévu pour l'espace de travail réglé ici, qu'il y aura un message. Pas quand j'importe dans un document une image prévue pour tel ou tel profil. Bien, je vais donc aller ouvrir les deux images ici. Celle qui est Adobe RGB va s'ouvrir dans Photoshop sans problème, sans message, puisqu'elle correspond à l'espace de travail par défaut actuel de Photoshop. Celle qui est Profoto va générer un message. Voilà. Comme prévu, celle qui est Adobe RGB s'est ouverte sans message. Et j'ai par contre un message pour l'image qui est prévue pour l'espace Profoto. Incorporé Profoto, donc le profil incorporé à l'image est Profoto. Et l'espace de travail actuel est le Adobe RGB. Que faut-il faire? Ben, je vais l'ouvrir en tant que image Profoto. Surtout pas choisir la dernière option, c'est assez rare quand on doit choisir ça, et c'est assez rare quand on ne tient pas compte des profils qui est incorporé à l'image. Les deux premières options sont de bons choix. Et on a vu que quand on veut faire du copier-coller entre images dans Photoshop, convertir les couleurs Profoto vers le Adobe RGB pourrait être un bon choix. Mais bon, je vais l'ouvrir en tant qu'image Profoto ici. Voilà, les deux images sont ouvertes malgré qu'elles utilisent des valeurs RVB
il y a différentes. Elles ont un rendu identique sur l'écran parce que la gestion des couleurs HD dans chaque fenêtre d'image, c'est une simulation d'un matériel. Donc pour le brun ici, 126 92 0, ici 95 78 23, etc. On avait déjà testé ça. On a des valeurs RVB différentes puisque on a des primaires rouge, vert, bleu différentes dans ces deux matériels qui sont simulés ici dans Photoshop sur mon moniteur. Le profil du moniteur est utilisé par le système de gestion des couleurs ColorSync en arrière-plan pour me permettre de bien visualiser ces espaces. Il faut comprendre ça, c'est qu'il y a trois profils qui entrent en jeu ici. Il y en a deux qui sont utilisés dans Photoshop, le Adobe RGB et le Profoto. Et le troisième, c'est le profil de mon moniteur qui est utilisé par le système de gestion des couleurs pour me permettre de bien visualiser ce qui se passe dans les logiciels. Mais ça, c'est en arrière-plan, vous ne le voyez pas. Voilà, donc les préférences moniteur de l'ordinateur. Sur Windows, ce sera le même principe. Pour chaque moniteur connecté à l'ordinateur, si vous en avez plusieurs, vous aurez un profil qui a été créé par la sonde. Bon, il y a toujours possibilité de faire un profil manuellement grâce à étalonner si vous n'avez pas une de sonde à votre disposition. Mais c'est toujours mieux de le faire par une sonde, c'est quand même plus précis que d'utiliser votre œil. Étalonné est un système qui va utiliser votre œil pour informer l'assistant étalonnage de moniteur ici, pour l'informer de la manière dont les couleurs s'affichent sur le moniteur. Mais je ne l'utilise pas ici. Voilà. Bien sûr, puisque j'ai fait le profil avec une sonde. Je vais tenter maintenant d'ouvrir les deux documents Illustrator. Encore une fois, normalement, celui qui est Adobe RGB va s'ouvrir sans problème. Celui qui n'est pas concordant avec l'espace de travail par défaut, le Profoto, va s'ouvrir avec un message, puisque Illustrator est réglé comme ça. J'ai demandé qu'il y ait des messages qui apparaissent. Bon, il y a un message à propos des profils CMJN. Je passe outre, continuer. C'est du RVB ici. Même chose pour l'autre. Voilà. Et puis, pour un des documents, donc le Adobe RGB s'est ouvert sans problème, mais pour l'autre document qui est Profoto, j'ai le message. Et je vais l'ouvrir en tant que Profoto. À la manière de ce que je faisais dans Photoshop juste avant. Donc, sauf que ici, on est bien sûr dans Illustrator et on est en train d'ouvrir deux documents Illustrator. Voilà, donc les deux documents sont semblables au niveau des couleurs, malgré que les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc je vais aller chercher dans le menu fenêtre, je vais aller chercher par exemple la palette couleurs, qui va me renseigner un peu sur les valeurs numériques des couleurs qui sont attribuées à ces objets. Donc je vais essayer le brun ici. La valeur numérique RVB 153, 134, 117. Donc pour l'environnement Adobe RGB, pour recréer ce brun-là, c'est les valeurs RVB qu'il faut. Je vais essayer sur le brun ici dans la version Profoto. Je suis dans la version Profoto. Alors la palette dans ce document n'est pas réglée pour montrer le RVB. Je vais ici demander dans le menu de la palette couleur de montrer le RVB. Voilà, 128, 119, 101 pour la case de premier plan, bien sûr, la case de remplissage. 128, 119, 101 en Profoto, alors qu'en RGB, 153, 134, 117. Pour ce qui est des autres, 0, 255, 255, c'était une couleur pure. Et en Profoto, 128, 119, 101. Pourquoi une couleur si en pure en Profoto est à une de ces valeurs un peu bizarres moyennes, eh bien c'est parce que le Profoto est un espace couleur assez particulier qui utilise des primaires virtuelles, c'est de manière à englober plus de couleurs visibles par l'œil humain, arriver à décrire plus de couleurs visibles par l'œil humain. Il y a une petite astuce mathématique où en
Faisant une opération mathématique, un négatif sur les primaires réelles du système Profoto, on arrive à créer des primaires virtuelles. Je pense que j'en avais parlé quand je vous ai montré le diagramme de chromaticité. On voyait clairement que le Profoto, ses primaires, sortaient de l'espèce de fer à cheval, le diagramme de chromaticité qui était censé symboliser toutes les couleurs visibles par l'œil humain. 238, 94, 243. 0, 255, 255. Oui, c'est du magenta pur dans ce cas-là. Donc voilà, on a bien des valeurs RVB différentes pour les deux objets, même si à l'écran, ils semblent identiques. Donc c'est le principe de la gestion des couleurs. Simulation, dans chaque fenêtre, la simulation du matériel pour lequel le document est prévu. Et également, utilisation du profil du moniteur pour me permettre de bien visualiser ces espaces couleurs. Le profil du moniteur est utilisé par ColorSync, le gestionnaire de couleurs du Mac, ou par ICM, si j'étais sur un PC, le gestionnaire de couleurs du PC. Bien, je vais aller dans InDesign. Et je vais importer les images dans un document et on va voir comment la gestion des couleurs fonctionne dans InDesign.